Pas question pour elle de faire le voyage sans sa fille. Naomi Campbell, qui est devenue maman à l'âge de 50 ans, s'est rendue au Festival de Cannes accompagnée de sa progéniture. À l'occasion de son 53e anniversaire célébré ce lundi 22 mai, une soirée était organisée par la marque Boss, dans une villa cannoise. Pour accueillir ses invités, le célèbre mannequin est apparu avec son bébé dans les bras. Très attentive à son look, Naomi Campbell a d'ailleurs pris soin de coordonner sa tenue et celle de sa fille, toutes les deux vêtues d'une robe couleur caramel. Un brin surprise par l'effervescence provoquée par l'arrivée de son illustre maman sur les lieux, la fille de Naomi Campbell a pu compter sur le soutien et les gestes affectueux du top modèle, qui a tout fait pour la rassurer, notamment en la protégeant des flashs des photographes. En 2022, l'amie de Carla Bruni avait fait de touchantes confidences sur la maternité, dans les colonnes de l'édition britannique de Vogue. C'est la plus belle bénédiction que je pouvais imaginer. C'est la meilleure chose que j'ai jamais faite, assurait-elle. Supérieure à supérieure à Cannes 2023, Marion Cotillard, Jennifer Lawrence, Nathalie Portman, les stars font le show sur la croisée de Cannes 2023, Naomi Campbell reine du glamour sur le tapis rouge ce dimanche 21 mai, un casting étoilé était particulièrement attendu sur le tapis rouge du Festival de Cannes. À l'occasion de la projection Le jeu de la reine du Brésilien Carmi Ainuz, des stars glamour à souhait ont gravi les marches du palais des festivals. Marion Cotillard a dévoilé ses jambes dans une robe Chanel élégante, Carla Bruni levée dans un fourreau bleu n'est pas passée inaperçue, Indira Anfio, Miss France 2023, est apparue superbe dans une robe rouge qui a subjugué les photographes. Aux côtés de ses looks éblouissants, Naomi Campbell a elle aussi fait crépiter les flashs. En effet, l'ex-supermodèle est apparue renversante dans un fourreau immaculé fendu et paré d'une longue traîne signée de la maison Chanel. Une robe élégante dotée d'un col bijou et d'un bustier blanc brodé de part et d'autre de cristaux. Dans cette tenue, la star de 52 ans s'est illustrée plus glamour que jamais, prouvant qu'elle est toujours la reine du tapis rouge. Crédit photo, Olivier Bordes.